Bonjour toi. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, dans un petit vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog d'une journée dans ma vie, ou de quelques jours dans ma vie. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais terminer ce vlog, mais je me disais que ça faisait super longtemps que j'avais pas un peu montré mon quotidien, on va dire. Sachant que bah là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de changements qui arrivent. C'est vrai que les dernières vidéos, en fait, j'ai parlé un peu d'autres choses et pas tellement de ma vie personnelle. Pour faire quelques petits updates, de 1, j'ai fini l'année scolaire, donc j'ai plus du tout cours avec mes élèves, et ce qui est le plus bizarre en fait, c'est que c'était ma dernière année dans mon établissement. J'étais vraiment triste, j'avoue, j'étais un peu nostalgique de quitter mes élèves, parce qu'en plus il y en a certaines que j'ai côtoyées pendant 3 ans, c'est à dire que je les ai eues depuis leur 6e jusqu'à leur 4e, et puis il y en a d'autres que j'ai connues cette année mais avec qui ça s'est super bien passé. Ça faisait un peu bizarre de quitter l'établissement, honnêtement, mais bon, c'est pas grave, c'est pour un nouveau départ et c'est pour un peu plus me rapprocher de chez moi, donc ça c'est vraiment cool, parce que j'en pouvais plus de faire 2h20 de transport tous les jours, c'était vraiment pas possible quoi. Le second grand update aussi, c'est que j'ai terminé aussi tout ce qui concerne l'école, les concours, la formation, etc. Je suis vraiment contente parce que cette année se finit super bien. Et le troisième update, c'est que donc là, on est officiellement en été, ça y est, c'est les vacances. Donc là, je peux enfin prendre mon temps et écrire ma thèse. Donc là, c'est ce que je vais bientôt faire, là, dans quelques instants. Si vous n'aviez pas suivi ma chaîne depuis le début, je suis entrée en doctorat en 2020, depuis septembre 2020. J'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'ai été prof et en même temps, j'ai continué mes recherches de mon côté, donc c'était très difficile et ça l'est encore hein, honnêtement, d'arriver à gérer les deux, c'est à dire que à part pendant les vacances généralement, j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de la thèse et du coup malheureusement à chaque fois je m'occupais de mes corrections, je m'occupais de l'école, mais donc la thèse je la mettais un peu de côté. Et là ben justement j'ai enfin du temps, j'ai quasiment 2 mois et demi pour écrire la thèse. J'essaye de la finir avant le mois d'août si possible, si je suis une grande folle et que je réussis. J'ai déjà commencé la rédaction, je suis assez bien avancée par rapport à ce que j'ai fait auparavant, mais par contre voilà, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Dans tous les cas, ça avance bien, j'espère que je vais pouvoir soutenir cette année 2023 à la fin des 3 ans là, parce que ben là on arrive vraiment à la fin, ça fera 3 ans exactement en septembre, donc j'espère que la boucle sera bouclée en septembre. Et ce qui me fait un peu bizarre, c'est que j'ai fait 3 ans du coup dans mon établissement et 3 ans de thèse, et c'est un chapitre qui se ferme et un autre qui s'ouvre, sachant que aussi en septembre, si vous ne le saviez pas, donc on va se marier à la
la mairie avec Andrew. Il y a aussi ça qui va venir après. Donc on va s'organiser pour le mariage avec notre organisatrice. Bon, notre organisatrice c'est Katia, hein, c'est la belle-sœur de Andrew. Et donc cet après-midi on va aller chez le fleuriste pour parler un petit peu des bouquets, des fleurs, etc. Et on va faire un point mariage aussi sur les invités, le plan de table, les menus de table, voilà. Donc cette journée, bah, ça va être le matin. Je vais bosser là pendant 2 heures, je pense à peu près, sur ma thèse. Et puis ensuite Katia arrivera, on va manger caribéen. Et après on va faire l'organisation du mariage, voilà. Les amis, je vous reprends un peu plus tard. J'ai oublié de filmer tout ce qu'on a fait avec Katia. Non seulement j'ai oublié de filmer le caribéen, mais en plus j'ai oublié de filmer un peu le point mariage. Donc sorry. Mais en tout cas on a super bien avancé, enfin on est même trop en avance d'ailleurs. Donc tout s'est bien passé avec le fleuriste. Et en fait là on a un peu planifié ce qu'on va faire cet été quoi. Donc concrètement il reste plus grand chose hein, franchement il reste plus que de la créa du côté de Katia. Donc ça c'est trop trop cool, n'est-ce pas monsieur Choteau? J'ai beaucoup avancé dans ma to-do list de cet été par rapport au mariage. J'ai eu plein de dernières idées, des choses comme ça auxquelles j'avais pas pensé. Donc voilà, c'est cool. Je vais enfin me reposer. Il est, elle est partie à 15h, il est 16h30. Mais pendant une heure, j'ai encore un petit peu réfléchi, trouvé des liens, des choses et tout pour le mariage. Je vais enfin me poser. Et qui dit se poser dit je vais lire mon petit recueil de poésie, donc sur les femmes africaines. Là. Et puis ensuite, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Voilà. Je vous embarquerai peut-être encore avec moi, je pense, demain pour la matinée et l'après-midi où je vais un petit peu aller sur Paris. Voilà. Donc là, essaie d'aller chercher des adultes.
3 et je repars au sol. Bon, je me redresse. Pied bien à plat ici sur la remontée. Encore. Et on garde ça pendant 1 minute. Hop. Je me redresse. Oh my god. Là, vous voyez mon état du coup. Je ne vois plus, je suis vraiment au bout là. Oh là là. Ouf. Et pourtant, la séance elle dure que 30 minutes. Mais là, on est sur le programme Slim Booster sur Train Sweat It. Et j'ai une séance avec Mehdi. Et si vous connaissez TSE, vous savez qu'il est vraiment trop dur. Du coup, voilà, là je suis contente parce que après ma petite, ma petite écriture là, du mémoire et tout, enfin de la thèse, et ben j'ai fait mon petit sport du jour. Il est 11h30, je suis super contente. Je vais pouvoir manger mes protéines, manger mon déjeuner. Et cet après-midi, petite balade sur Paris. Donc je vous emmène encore avec moi ce deuxième jour. Mais je pense que j'arrêterai le vlog ce soir parce que j'ai peur que le vlog soit déjà trop long. Mais ouais, voilà. En tout cas, je continue toujours à faire 3 séances de sport par semaine. Lundi, mercredi et vendredi. Et si jamais je rate des jours, je le rattrape un peu à d'autres jours, quoi. C'est pas tout à fait fixe, mais voilà. Mon Dieu, je suis au bout de ma vie. Mais ouais, ça fait trop du bien. Là, c'était vraiment cardio et full body. Du coup, ouais, ça arrache et ça envoie. Donc voilà, là je vais m'étirer et puis ensuite petit chèque et déjeuner. Voilà, on est sur un repas de qualité, vraiment de qualité. Écoute, bon appétit. Bon bah du coup je vais terminer le vlog ici. Ce qui est vraiment fou là, c'est qu'il est presque 22h et que le ciel est magnifique, il fait super beau, que la luminosité est ouf parce que nous sommes le jour de la fête de la musique, voilà. Donc nous on fait pas du tout la fête de la musique, je regarde mon petit drama Alchemy of Souls et Andy regarde un animé MDR. Mais ouais, il fait trop beau, ça fait trop du bien. Et là, on peut dire que l'été est vraiment là, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez bien aimé. Ciao, ciao !